va monter sur le toit de l'Europe. On va enfin le savoir à la fin de ce match. Et voici donc l'Allemagne contre l'Italie. Les 22 acteurs sont prêts. Ils vont faire leur entrée. Et c'est le coup d'envoi. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Ils ont toujours le ballon. Bonucci. Et maintenant Barzali. Ah, il peut mieux faire sur ses passes. Khedira. Remonte le ballon. Mesut Özil. Il peut frapper d'ici. Et il prend sa chance. Le premier frisson dans cette partie. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Il doit jouer vers l'avant. Une interception. Maintenant Marquisio. Jovinko. Il trouve du soutien. Jovinko maintenant. Et derrière, il récupère. De Rossi. Allez, il faut prendre des risques. Schweinsteiger. Est-ce qu'il va choisir de centrer? Pris de vitesse sur ce coup. Ah, c'est dommage. La construction est bonne, mais c'est le dernier geste qui pêche. Oh là, c'est un peu resté dans la chaussure. Oh, l'interception. Pirlo. Marquisio. Et maintenant, De Rossi. Schweinsteiger. Schweinsteiger maintenant. Mats Hummels. Mesut Özil maintenant. Bien joué ça. Et il est là pour dégager. Ce ballon est dégagé. Ouf, ça va mieux. Centre. Et le ballon sort des limites du terrain. Et maintenant, De Rossi. La belle interception. Et bon centre dans la surface. Müller maintenant. Et ce ballon, il va remonter très vite. Il y va seul. Oh, le petit ballon piqué. La frappe. Et l'arrêt, magnifique. Oh, qu'il est important cet arrêt. Bon centre. Pirlo. Et maintenant Barzali. Au chronomètre dans cette première période. C'est un tir lointain. La défense va pouvoir respirer. Et
Verratti. Borelli. Il tente de la jouer dans l'espace. Alors jeu, il a gâché une belle occasion là de donner l'avantage à son équipe. C'est une belle remontée de la défense. Le hors-jeu a parfaitement fonctionné. Müller maintenant. Il joue dans l'espace. Il reçoit le ballon. Quelle occasion, attention. Oh, c'est un but. Ça pourrait être le tournant du match. Un but importantissime. Quelle entente entre les deux hommes, le passeur, le buteur. Tout le mérite revient au passeur avec ce ballon en profondeur. Ça a pris tout le monde par surprise. C'est toujours mieux d'ouvrir les scores, évidemment, mais dans une finale, c'est encore plus important. Là, il n'a pas joué le ballon, coup franc, bien sûr. Pirlo, maintenant. Balotelli. Et maintenant, Marquisio. Pirlo. Gomez. Les deux îles maintenant. Khedira maintenant. Frappe de loin. Et une frappe qui termine sa course loin du cadre. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Un seul but de différence. On approche de la pause, c'est pas terminé. C'est intercepté. Il frappe. Oh, c'est un arrêt important, ça. C'est un super arrêt. Point set. De Rossi. Jouer sur les côtés. Et ils obtiennent un corner. Oh, la tête! L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. Continuer comme ça, c'est sans doute ce qu'a dû dire l'entraîneur dans les vestiaires à la mi-temps. C'est aussi ce qu'espèrent leurs supporters. L'Allemagne contre l'Italie. Mesut Özil. Allez, il faut qu'il retrouve ce toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Pour trouver la faille dans la défense. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Stuber maintenant. Podolski. 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 Sa passe manque juste un petit peu de finesse. Balotelli. Et faute incontestable. Le ballon traîne toujours, attention. Mais voilà, ils insistent dans l'axe alors qu'à mon avis, la solution est plutôt sur les ailes. Khedira. Mats Hummels.
Batshuayi maintenant. Schweinsteiger. Mesut Özil. Ils sont bien présents dans la surface. Mats Hummels. Ballon intercepté. Très bien exécuté. Maintenant Marquisio. Mario Gomez maintenant. C'est passé. Il peut conclure. Des deux points. Oh ça, défensivement, c'est très fort. Et maintenant De Rossi. Maggio. Balotelli. Transversal. Abatté. 15 minutes dans la seconde période. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir un peu respirer. Il trouve du soutien. Khedira maintenant. Mesut Özil maintenant. Il y aura donc touche. Il cherche ses attaquants. Et maintenant Marquisio. Et maintenant Marquisio. Abatté. Très belle ouverture. Ah non, c'est perdu. Et maintenant De Rossi. Oh, ballon perdu, c'était pourtant bien parti. Et alors, ils ont vraiment un mal fou à se procurer des occasions, non? Il a coupé la trajectoire. Maggio. Oh, c'était bien parti, mais à l'arrivée, c'est tout gâché. Mario Gomez maintenant, De Rossi, Pirlo maintenant, Maggio. Oh non, c'est récupéré. Pirlo maintenant. Ah, quel bon geste défensif là. On est presque dans le dernier quart d'heure. Ce ballon dans l'axe. Abatté. Vous frappez. Vous frappez là. Ils sont passés tout près d'égaliser. Et ça prouve qu'il est humain. Il s'est laissé emporter. Hummels. Khedira maintenant. Mario Gomez. Quelle bonne passe, c'est dangereux. C'est une occasion ça. Oh, c'est dommage, quelle occasion. L'ouverture était magnifique, ça méritait mieux. Oh, ça peut être intéressant. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Schweinsteiger maintenant. Il frappe. Oh, c'était mal parti dès le départ. Soyons généreux. Au moins, il a essayé. Allez, oublions vite cette frappe à classer dans la catégorie. Tire. Et maintenant De Rossi. Giaccherini. Ah, il espérait autre chose à mon avis. On se contre peut aller au bout.
un but, un petit but. C'est la petite différence là en ce moment entre les deux équipes. Il reste 5 minutes à jouer. Allez, dans quelques minutes, le titre. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il peut marquer. Mathieu. Le ballon sort du terrain. Il change complètement de côté. Renversement de jeu de l'autre côté. Oh, le staff médical a fait des miracles. Il est à nouveau sur pied. Voilà une récupération. Remonte le ballon. Pirlo. Et maintenant Marquisio. C'est fini. Le coup de sifflet de l'arbitre. C'est fini dans cette rencontre. Ils l'ont fait. Ils ont gagné la coupe. Ils ont atteint cet objectif après tellement d'efforts, de buts, de grands matchs. Bravo à eux. C'est un moment exceptionnel dans l'histoire du club. Un titre de champion. Ils l'attendaient depuis si longtemps. Profitons de l'atmosphère dans ce stade. C'est tout simplement fantastique. C'est une équipe exceptionnelle qui vient de remporter ce trophée. Depuis les premiers matchs, elle produit un jeu tout bonnement fabuleux. Sous le coup de l'émotion, on voit certains joueurs qui ne savent plus trop où ils sont, mais ils vont bientôt réaliser leur exploit, je peux vous l'assurer. C'est merveilleux. Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut.